Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau direct. Alors j'espère que tout se passe bien au niveau du son et de l'image. Alors bonjour Madeleine, bonjour Pierrette, bonjour Eliane, bonjour Cathy, bienvenue à tous. On va bientôt commencer. Bonjour Dany. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va peindre des fraises. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez depuis quelques jours, parce qu'à chaque fois, le dimanche, j'essaye de vous dire ce qu'on va faire le mardi suivant. Bonsoir Mimi, bienvenue. Et donc, aujourd'hui, ce sont des fraises. Alors, ce ne sont pas les fraises de ma terrasse, parce que il n'y en a pas encore assez pour le moment. Et je les ai toutes mangées, celles qu'il y avait. Donc, ce sont des fraises qui ont été achetées chez au marché. Merci Eliane de me dire que tout va bien. C'est bien, on va pouvoir commencer. Alors, si vous voulez avoir une image de référence pour peindre en même temps que moi, je l'ai dit dans les messages, mais la photo est sur mon blog et vous pouvez la trouver juste dans le lien en bas de la vidéo. Bonjour Myriam, bienvenue. Alors, je vous mets une photo de référence parce que je ne peux pas avoir mes fraises tout le temps sur l'écran puisque je préfère que vous voyez ma peinture. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, j'ai un papier arche en grain satiné, donc totalement lisse. Ce qui va être assez intéressant. Et j'ai à peu près le même matériel que d'habitude. Il y a juste un petit ajout par rapport à d'habitude. C'est de la gouache blanche qu'on utilisera à la fin normalement. Alors je vais commencer cette aquarelle avec ce gros pinceau. Un pinceau Ultimo en synthétique rond. Bonsoir Marie, bienvenue. Et puis on va y aller. Alors, je vais bien l'humidifier. Il fait très sec ici à Barcelone et ça prend un peu de temps des fois de réactiver le pinceau, de bien l'humidifier à cœur parce que souvent les poils extérieurs sont mouillés très très vite, mais il reste très assoiffé parce que l'intérieur est encore mouillé. Donc je prends mon temps pour bien l'humidifier. Voilà, ça devrait aller. Et avant de mettre de la couleur sur mon papier, je vais juste lancer un peu d'eau et puis faire quelques traces et puis on verra ce que ça donne par la suite. Voilà. Je vais essayer de vous montrer comme la dernière fois ou peut-être juste en penchant mon papier, vous allez voir. Voilà, c'est la quantité d'eau que j'ai mis. Vous pouvez le voir par le reflet de la lumière. Voilà. Bonsoir Arlette, bienvenue. Prenez le temps de vous installer, il n'y a pas de problème. Alors, les fraises, c'est plutôt rouge. Et donc, je vais utiliser le rouge écarlate qui est ici. Peut-être la laque de Garance Rose, on verra bien. J'ai aussi d'autres rouges un peu plus chauds si jamais j'ai besoin, mais on verra. Alors, je vais commencer avec le rouge écarlate. Alors c'est une couleur que je n'ai pas utilisée depuis quelques temps, donc elle est un petit peu sèche. Mais ça devrait aller. Voilà. Et je vais ajouter une pointe de jaune de nickel azo, juste pour réchauffer ce rouge un petit peu, parce que c'est un rouge qui est très équilibré. Il n'est ni chaud ni froid. Et là, je veux qu'il soit un petit peu chaud. Alors quand je suis satisfaite de ma couleur, on va pouvoir commencer. Bonsoir Marie, bienvenue. Alors, je vais peut-être commencer par les deux fraises qui sont ouvertes. Voilà. Donc je trace grossièrement la forme des fraises et on verra pour la suite.
si on veut faire des changements ou pas. Et vous voyez que le fait que j'ai appliqué de l'eau juste avant, ça me permet d'avoir des contours un peu plus nets. Alors ça se voit pas forcément, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Vous voyez, là j'ai un bord net et là j'ai un bord flou et je trouve ça intéressant. Bonsoir Anne, bienvenue. Alors je vais continuer. Je vais rajouter un peu d'eau à mon mélange parce que mon pinceau est encore un peu sec. Et je vais rajouter du rouge écarlate encore. Et on va continuer avec la fraise qui est sur le côté. Donc celle-ci. Voilà. Et puis, on va essayer d'y aller un petit peu plus franchement pour le reste et voir après comment on va organiser ça. Donc, je rince un peu mon pinceau et je viens flouter certaines zones. Donc là, par exemple, je peux flouter ici. On peut flouter ici. Ça ne ressemble plus à rien, je sais. Mais il faut faire confiance au process et vous allez voir que ça va marcher à la fin. On va faire quelques projections. Comme mon mélange est très dilué, normalement elle devrait sécher beaucoup plus clair. Je vais juste effacer celle-là parce que je la trouve trop présente. Et voilà. Bonsoir Marcel, bienvenue. Donc on a un beau début. Et on va pouvoir continuer. Alors je fais attention parce qu'il y a beaucoup de flaques pour le moment sur mon papier. Et vous savez que généralement c'est une source de problème. Je vais venir récupérer là où il y a vraiment beaucoup trop d'eau. Voilà. Alors je vais bien rincer mon pinceau et je vais ajouter quelques zones de vert. Alors pour le vert, ce sera un peu du mélange qui reste dans ma palette. C'est du bleu d'Inde d'Entraîne et du jaune de Nicolazo, très certainement. Et on va rajouter un peu de ces deux couleurs, donc bleu d'Inde d'Entraîne et jaune de Nicolazo. Voilà. J'ai un peu trop d'eau sur mon pinceau. Je vais ajouter beaucoup plus de jaune de Nicolazo parce que ce que je peux voir sur mes fraises juste à côté de moi, c'est un vert qui tire un peu plus vers le jaune. Donc je voudrais essayer de trouver ça. Voilà. Alors, il y a ces feuilles-là que je voudrais faire tout de suite parce que c'est en train de sécher et je cherche cette fusion ici. Et on va faire une feuille ici. Une feuille ici. Ça file, ça se fond dans les zones humides, c'est totalement normal. Et c'est très bien comme ça. Pour l'instant, je veux beaucoup de fluidité et pas forcément beaucoup de détails. Alors, je rince à nouveau bien mon pinceau et je vois qu'il y a encore des flaques que je vais récupérer. Voilà. Alors, c'est peut-être une étape un petit peu délicate de rajouter les feuilles des fraises. Le pédoncule, je crois, parce que forcément ça va se mélanger avec le rouge et ce sont des couleurs complémentaires donc on prend le risque d'avoir des couleurs un peu plus ternes, mais ça n'est pas grave.
Je vais changer de pinceau. Je vais prendre ce pinceau plat qui a un bout arrondi. C'est un pinceau ovale, toujours de la marque Escoda. Et je voudrais ajouter un petit peu d'arrière-plan tout de suite, ou en tout cas une idée qu'il y a une assiette derrière. Et pour cette assiette, je vais reprendre du bleu dinde d'Antraigne et utiliser un peu le reste du verre, mais avec beaucoup plus de bleu et plutôt pas mal d'eau. Et peut-être encore un peu plus de bleu. Trop de bleu. Voilà. Et je vais juste le mettre très brièvement, un peu dans les trous. Ici, la couleur du fond de l'assiette se fond avec les fraises, c'est autant mieux. Alors, on va essayer de l'arrondir un tout petit peu plus. Voilà. Et peut-être un petit peu plus de bleu ici. Et on est plutôt pas mal. Alors, j'ai une flaque ici. Je viens la récupérer. Et je voudrais ajouter un peu plus de couleur foncée pour avoir déjà une idée des ombres. Et pour ça, je vais utiliser quasiment que du bleu dinde d'Antraigne. Ça va se mélanger avec un petit peu de ce qu'il y a sur ma palette, mais c'est très bien, ça n'est pas très important. Je veux une couleur foncée par ici, une couleur foncée par là. Et comme ce que je viens de faire est juste tout frais, les couleurs filent et se fondent les unes dans les autres. Alors, je vais bien rincer mon pinceau maintenant et je vais rajouter des couleurs dans les fraises parce que je vois que ça commence à sécher et je vois que ça commence à sécher beaucoup plus clair. Donc je reprends le rouge écarlate. J'essaye de prendre beaucoup de pigments parce que je sais que c'est une couleur qui sèche beaucoup plus clair et je veux prévoir un petit peu ça. Et je vais rajouter un peu de ce rouge à certains endroits. Alors, c'est les deux premières fraises que j'ai peintes au début sont presque sèches déjà. Mais ça n'est pas très important. C'est même plutôt une bonne chose parce que ça me permet de rajouter déjà quelques petits détails. Je peux déjà indiquer le fait qu'il y a une luminosité sur cette fraise. C'est plutôt bien aussi. Alors, je vais juste absorber le trop d'eau sur mon pinceau et récupérer quelques petites flaques. Je n'aime pas trop la forme de cette fraise-là. Alors, je vais essayer de la modifier un tout petit peu. Et j'ai besoin d'un peu plus de rouge par ici. Il y a quelque chose que j'aimerais tenter. Je pense que c'est encore un peu tôt, mais on va essayer quand même.
Ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de jouer avec la capacité du jaune de nickel azo pour ajouter les grains de la fraise sur la fraise. Donc, je vais vous expliquer brièvement ce pourquoi je fais ça. Donc, j'ai une forme rouge. Je vais reprendre un autre pinceau, je vais prendre un petit pinceau comme ça j'aurai plus de précision parce que je peux avoir une pointe très très fine avec ce pinceau. Alors, je vais donc prendre du jaune de nickel azo sur la pointe de mon pinceau et je vais l'appliquer sur le rouge. Et vous voyez, c'est pas très très visible sur l'écran, mais je pense que vous pouvez voir que le jaune de nickel azo repousse un peu le rouge et ça crée des petits points. Donc c'est cette capacité du jaune de nickel azo de repousser les autres couleurs que je veux utiliser ici. Alors je reprends ce jaune de nickel azo et je vais venir faire quelques points. Ils seront peut-être un petit peu trop présents pendant cette première couche, mais on a d'autres couches pour les façonner. J'essaie de ne pas être systématique quand j'ajoute ces petits points pour que ça ait un côté un peu plus naturel et je ne cherche pas à remplir toute la fraise et de faire absolument tous les graines. Je donne juste l'idée qu'il y a une texture, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et votre cerveau, de toute façon, remplira les blancs. Voilà. Peut-être en faire juste un peu sur le bord de celle-ci. Alors ça peut paraître très discret pour le moment, mais je pense que c'était plutôt une bonne idée. C'est assez discret, mais je pense que ça va se voir à la fin et ça va être intéressant. Alors, je vais reprendre ce pinceau-là et je vais bien bien l'essorer. Je vois qu'il y a deux flaques très importantes ici. Donc je vais juste récupérer ces deux flaques avant de sécher pour que ça ne pose pas de problème. Si j'enlève un petit peu de couleur au passage, c'est pas très 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 grave. Ici, je vais aussi un petit peu plus dégrader ce rouge. Pour éviter qu'il n'aille trop loin. Eh bien, je pense qu'il est temps de faire sécher cette première couche. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais vous mettre sur l'écran d'attente. Bonsoir belle d'été, bienvenue. Je vais vous mettre sur l'écran d'attente, je vais couper le son pour ne pas vous casser les oreilles. Je sèche au sèche-cheveux et je reviens juste après. Si pendant ce temps-là vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai juste en revenant tout à l'heure. A tout de suite.
Alors, c'est suffisamment sec pour qu'on puisse continuer. Bonjour Fatima, bienvenue. J'en ai aussi profité pour changer mon eau, puisque comme on travaille avec des rouges et des verts, je trouve que c'est toujours bien de surveiller que l'eau ne soit pas trop sale. Donc, je l'ai changée, comme ça, j'aurai des couleurs un peu plus nettes normalement. Petite précision que j'ai oublié de dire, si vous n'avez pas le rouge écarlate, vous pouvez utiliser du rouge Windsor ou du rouge, celui que vous avez dans votre palette, ça n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes couleurs que moi. Si vous n'avez pas de bleu d'Indentrène, vous pouvez totalement utiliser du bleu outre-mer ou un autre bleu que vous avez, du bleu de Prusse par exemple, ça peut être aussi très joli. Si vous n'avez pas le jaune de Nicolazo, vous pouvez utiliser l'or de Quinacridone qui a cette capacité aussi à repousser les pigments. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres jaunes qui aient cette capacité-là. Donc ce serait vraiment ceux que je préconiserais. Mais ça peut aussi marcher avec, je pense, d'autres jaunes, en tout cas ceux que vous avez. Alors, j'ai repris mon petit pinceau en forme de dague. Et on va continuer. Je réfléchis un peu par quoi je veux commencer. Et je pense que je veux commencer par rajouter un peu de feuilles pour que je sache un peu mieux où elles se placent et pouvoir réagir avec les fraises dans un second temps. Donc je refais un mélange de jaune de Nicolazo et de bleu d'Indentrême, un petit peu plus foncé que tout à l'heure. Voilà. J'essaye toujours de le tirer un petit peu plus vers le jaune que vers le bleu pour qu'il y ait cette belle couleur que le pédoncule des fraises. Alors, je vais peut-être commencer par celles qui sont sur le bord extérieur parce que quelque part ce sera le plus facile à gérer. Je me sers de la forme de mon pinceau qui est triangulaire pour avoir des formes de feuilles qui se font presque naturellement. Donc je me sers de la forme de mon pinceau, mais aussi de l'orientation de mon pinceau. Voilà. Et une fois que je suis satisfaite du placement de ces feuilles, on va pouvoir flouter certaines parties. Comme ça, on a un effet un petit peu plus aérien. Je reprends mon mélange et on va passer à la fraise juste à côté. Je ne repasse pas exactement sur les mêmes formes qu'il y avait dans cette première couche. J'essaye juste d'avoir une forme un petit peu plus naturelle. Voilà. Et à nouveau, je rince et je vais flouter certaines zones. Alors, pour les deux duos, on est plutôt pas mal. Je voudrais avoir juste peut-être comme une ombre de feuilles par ici. Sans beaucoup de détails, voilà. Et je voudrais aussi placer un peu plus celle-ci. On la voit de, enfin, moi en tout cas, je la vois d'un peu plus haut, donc du coup, on voit la zone où ce pédoncule est attaché à la tige de la fraise. Je trouve que c'est une partie assez intéressante. Donc j'essaye de le mettre en avant. Je rajoute à mon mélange un petit peu de jaune de Nicolazo, parce que je trouve que mon verre est un peu trop froid. Et je continue à ajouter ces fraises. À ajouter plutôt les feuilles des fraises. Voilà. J'ai presque envie d'ajouter presque du jaune de Nicolazo pur dans cette partie-là.
Alors, je reprends mon mélange et on va faire cette fraise par ici. Je vais refaire un petit peu de ce mélange, donc du bleu d'un d'entraîne et du jaune du nickel azo. Voilà. Ce n'est pas très. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça n'est pas très important si le mélange est légèrement différent quand vous êtes obligé de le refaire. Je trouve que ça apporte un peu plus de naturel parce que. Parce que dans la nature, les feuilles sont toujours avec des couleurs un petit peu plus, un peu différentes les unes des autres. Ce n'est jamais une couleur totalement homogène. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire mes propres verres. Parce que comme ça, je peux les modifier au fur et à mesure pour qu'ils aient un petit peu plus de naturel. Alors, je veux juste rajouter un tout petit peu plus de volume sur les premières que j'ai faites pendant qu'elles ne sont pas encore tout à fait sèches. Comme ça va se fondre dans les zones humides, même si je vois que ça sèche extrêmement vite encore une fois. Hop, je vais juste fondre, dégrader un tout petit peu. Voilà. Il y a encore des feuilles que je n'ai pas faites, c'est celles qui sont ici, du bout qui est coupé. Alors, je reprends mon mélange. Alors, bien sûr, on ne voit pas l'entièreté de ce pédoncule, puisqu'il est caché par la fraise. Et je pense que comme ça, c'est très bien. Alors, je vais rincer mon pinceau et cette fois-ci, je vais bien le rincer parce que pour l'instant, on a fini avec le vert et je vais passer au rouge. Et je veux donc être sûre que mon pinceau est bien propre. Voilà. Alors. Donc on a les fraises, on a une texture des fraises qui commence à apparaître, on a quelques brillances à certains endroits, donc on est plutôt dans la bonne direction pour le moment. La chose qui manque en fait, c'est du volume. Elles paraissent assez plates, elles n'ont pas vraiment d'ombre et de lumière pour l'instant. Donc c'est un peu ce que je veux faire en premier pour cette deuxième couche. En particulier sur cette zone-là, parce qu'il y a des fraises qui se superposent. Et du coup, j'ai envie qu'on les définisse un tout petit peu mieux et qu'on voit cette superposition. Alors pour ça, je vais utiliser toujours le rouge écarlate. Donc pour vous, ce sera le rouge que vous avez utilisé pour faire les fraises. Je vais le mettre ici, dans cette partie de ma palette qui a du violet, pour le ternir un petit peu et lui donner un côté un peu plus sombre. Donc si vous n'avez pas de violet déjà dans votre palette ou juste du sale de palette, vous pouvez le mélanger avec une pointe de bleu d'Inde d'entraîne ou du bleu que vous avez utilisé pour les feuilles. Sans aller trop vers le violet, il faut que ce soit plutôt un bordeaux. Voilà, je pense que cette couleur-là, ça devrait être pas mal. Peut-être la foncer encore un chouïa. Voilà. Je me sers souvent des restes d'une aquarelle précédente pour faire des couleurs un peu plus sombres dans une nouvelle aquarelle parce que c'est une couleur qui est assez naturelle. Ça reste cohérent avec mes aquarelles en général parce que j'utilise souvent les mêmes couleurs. Alors. Donc on va essayer de déterminer le côté de cette fraise. Et une fois que j'ai passé la couleur, je rince mon pinceau et je viens vite adoucir ce bord. Ça sèche extrêmement vite aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait chaud. Voilà, et je vais en profiter pour rajouter un peu de cette couleur-là sous les feuilles.
Je vais venir encore dégrader ici pour que ce soit un tout petit peu plus logique. Et dégrader un peu ici. Et on a créé un peu de volume par ici. Voilà. Alors, je vais faire la même chose sur cette fraise-là. Je reprends le rouge écarlate. Je viens mélanger au sel de ma palette. Et ici, je vais commencer par plutôt l'ombre des feuilles. Je vais accentuer ce côté-là. Voilà. Hop. Je dégrade assez rapidement parce que je sais que ça sèche vite. Voilà. Alors, il y a un petit. Voilà. Petite chose qui ne me plaisait pas. Alors, pendant que je suis sur ces fraises-là, maintenant je vais reprendre du rouge écarlate pur sur mon pinceau. J'essaye d'avoir une belle saturation du pigment. Et je vais repasser sur la zone rouge de mon aquarelle. Et je vais essayer de donner une idée de texture en faisant une sorte de gribouillis. Et on va venir flouter aussi certains endroits un peu plus tard, mais pour l'instant, ça fait plutôt un gribouillis. Je vais vous faire un petit zoom parce que je pense que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Donc vous voyez, c'est des petits zigzags. Voilà. Et je vais rincer mon pinceau. L'essorer un peu. Et je vais juste tirer la couleur par endroit. Flouter certains endroits. Juste donner un air un tout petit peu plus naturel à cette texture. Hop. Voilà. Peut-être rajouter un peu de rouge par ici aussi. Et je vais faire la même chose sur la fraise d'à côté. Et vous voyez que le fait d'avoir laissé un espace blanc et ensuite d'avoir fait ces petits gribouillis ici, ça fait tout de suite penser à cette petite brillance des fraises. Du coup, on reconnaît bien le fruit. Merci Eliane. J'avoue que j'ai bien hâte de les manger aussi. Alors, je vais reprendre encore ce rouge écarlate et je vais faire la même opération sur celle-ci. Donc, je fais vraiment des gribouillis. Je ne sais pas trop comment expliquer mieux que ça. J'essaye de créer une texture, un réseau de rouge dans cette zone. Voilà. Je rince mon pinceau et je vais venir juste adoucir certains endroits. Je vais même rajouter peut-être un peu plus de couleur complète à certains endroits. Toujours, je travaille un tout petit peu la zone où il y a encore du blanc pour qu'on ait vraiment cette impression de brillance qui va apparaître. Et alors, il y a peut-être encore un petit peu trop de pointe dans le réseau que j'ai fait, donc je continue à travailler en diluant, en tirant les couleurs, en floutant les zones, et petit à petit, on arrive à une texture intéressante.
Apparemment, mes fraises vous donnent tout envie. C'est bien. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Alors, je vais essayer de faire cette fraise-là un petit peu plus rapidement. Avec peut-être moins de détails, des détails différents. Je n'ai pas utilisé de couleur salie pour les ombres pour celle-ci pour l'instant. Et je ne sais pas si ce sera nécessaire parce qu'elle est un petit peu plus lumineuse déjà, donc j'ai besoin de moins de pigments pour l'assombrir à certains endroits. Et juste du rouge plus dense, ça suffit, je pense, à lui donner un peu de volume. Alors, je vais quand même flouter certains endroits. Mais pour moi, pour ma part, les fraises, c'est sans crème, sans rien, c'est juste comme ça, croquer directement. C'est là que c'est le meilleur. Voilà. Alors, il y a encore celle-ci à faire. Hop, je vais aussi essayer de la faire un petit peu plus simple avec juste du rouge. Donc toujours des gribouillages, j'essaye de les faire légèrement arrondis en fait, mes gribouillages. J'essaye de ne pas faire trop d'angles parce que c'est un peu ce que j'ai fait ici et je vois que ça fonctionne un tout petit peu moins bien. Donc j'essaye de concentrer mes formes de manière un peu plus arrondie. Pour rappeler la texture. Voilà. Et on peut flouter aussi. Oui, Pierrette, ce sont mes gribouillis, c'est vrai, mais c'est quand même des gribouillis. Alors. Il y a cette fraise ouverte qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de continuer parce que je trouve presque qu'elle est parfaite comme ça. Parce que je pense que du premier coup d'œil, on arrive à voir que ce sont une fraise ouverte en deux. Mais on va quand même lui ajouter un petit peu de détails. Donc je reprends le rouge écarlate. Je me suis dit que j'allais aussi utiliser la laque de Garance Rose, mais finalement, je trouve que ça n'est pas du tout nécessaire. Voilà. Donc je viens faire ces petites lignes qui sont dans le bord de la fraise, mais inversées. Donc je peins la forme foncée plutôt que la forme claire. Et on va voir si ça fonctionne. On va essayer de faire l'autre côté aussi. Ce n'est pas du tout mon endroit. Il y a un petite crevasse dans la fraise par ici. Là, je vais ajouter une couleur un petit peu plus sombre de ce qui reste. Oui, Aria. Tu dis bonjour? Et bébé. Alors, je vais faire la même chose sur cette fraise ici. Et un petit peu la même chose par là. Voilà. Alors. J'essaye de prendre un peu de recul pour voir ce dont j'ai besoin maintenant. Et je pense que j'ai besoin de travailler un tout petit peu plus l'intégration des fraises avec l'arrière-plan, même s'il n'y a quasiment pas d'arrière-plan.
Et surtout, cette zone extrêmement blanche ici me gêne un peu. Donc, on va essayer de modifier ça. Et je vais réutiliser le bleu d'un d'entraîne avec juste ce qui traîne un peu dans cette partie-là de ma palette. Oui, le rouge écarlate, c'est le rouge écarlate de Isaro et il est vraiment très 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 beau. Et pour information, je me souviens plus du numéro du pigment, mais c'est le même pigment que le rouge Windsor. Donc si vous avez le rouge Windsor, vous avez aussi ce rouge-là. Alors, je voudrais juste corriger cette zone-là, qui est trop blanche à mon goût. Voilà. Donc j'ai apposé ce bleu d'un d'entraîne ici et je viens le flouter pour l'intégrer un petit peu plus au bord de l'assiette. C'est peut-être un peu trop bleu. Je vais mélanger un peu plus avec le vert que j'ai ici. On va essayer de ternir un peu cette couleur. Non, rien, ça ne va pas être possible, mon chat. Voilà, en ajoutant un petit peu de vert dans cette zone, ça me plaît un petit peu plus. Mais du coup, on a une zone très très noire, enfin très très foncée plutôt. Donc j'ai besoin d'avoir des zones un peu plus foncées aussi à d'autres endroits pour que ça reste un peu logique. Aria, mon chat, tu peux pas jouer avec ça. T'as décidé de participer aujourd'hui. Hein? Non, 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 tu peux pas. Alors, j'ai posé mes couleurs foncées. Et maintenant, je viens les flouter un petit peu si Aria me laisse le faire. Alors, cette zone est très très foncée. Je pense que elle a besoin d'un peu de rouge dans cette fraise que je voulais un peu mettre de côté, mais je pense que c'est le contraste est trop important. Voilà. Hop. Voilà. Je viens tirer le rouge. Il va se mélanger avec ce bleu que j'ai posé ailleurs. Ce n'est pas très très grave. Voilà. On va même peut-être encourager un petit peu cette fusion. Voilà. Alors, donc j'ai une grosse zone foncée ici. Je voudrais en mettre un tout petit peu de l'autre côté pour que ce soit un peu plus logique. Parce que pour l'instant, ça ne me paraît pas logique. Alors je reprends du bleu d'un d'entraîne et un reste de vert qu'il y a dans ma palette. Et on va juste le poser ici. Je vais essayer d'éviter cette feuille pour que du coup en ajoutant une couleur sombre elle ressorte un peu plus. Et je vais pas trop étirer cette couleur sur le côté parce que ma lumière vient de ce côté-là. Donc placer une ombre à cet endroit-là serait pas logique. Mais je veux quand même une idée qui est du nombre un petit peu et surtout qu'il y ait une couleur plus foncée qui fasse écho à celle-ci. Et en ajoutant ces couleurs foncées, c'est là que je me rends compte des autres problèmes, mais c'est pas grave, on a encore le temps pour les faire. C'est ici qu'il y a un problème. Donc pareil, je rajoute une zone foncée et je vais l'étirer un peu plus vers la droite que vers la gauche. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, c'est cette zone-là aussi qui a besoin d'une couleur très sombre parce que il y a plusieurs fraises qui sont les unes sur les autres et du coup on a en toute logique une zone très sombre à cet endroit-là.
Donc je vais prendre mon bleu d'un entraîne. Je vais rajouter un petit peu de jaune de Nicalezzo parce que j'ai perdu un peu de ce mélange. Et on va essayer d'ajouter cette couleur sombre délicatement par ici. Je vais essayer d'être un petit peu plus précise que d'habitude. Voilà. Alors comme j'ai rajouté du bleu par ici, je vais juste l'étirer un tout petit peu. Voilà. Et tout de suite, je trouve qu'il y a une meilleure intégration des différents éléments au centre et c'est plutôt une bonne chose. Alors, est-ce que... Je réfléchis si j'ai besoin d'avoir une couleur un peu plus sombre dans les feuilles du haut. Peut-être un tout petit peu, mais on va essayer d'avoir la main légère quand même. Alors, je reprends du jaune de Nicalezzo et je le mélange avec ma couleur foncée. Donc, j'ai un vert un peu plus foncé que celui-ci. Mais non, je vais le faire encore un peu plus foncé. Voilà. Donc, toujours bleu d'un d'entraîne et jaune de Nicalezzo. Et j'essaie juste de trouver quelques petits détails pour donner du volume aux feuilles. Peut-être encore un peu plus foncé pour celle-ci parce qu'elle est quand même assez sombre. Juste des petits détails. Bonjour Aurélie, le live sera dispo en replay dès qu'on aura fini, donc prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Alors, Marie-Cécile, moi j'ai commencé avec les Schmincke et c'est vrai que c'est une très très bonne marque, elles sont vraiment très réussies. Et j'ai acheté quelques Winsor & Newton parce que j'avais que ça de disponible à un certain moment. Et je les trouve un tout petit peu difficiles à réactiver. Et des fois, je trouve qu'elles manquent un petit peu de punch, mais bon, c'est assez personnel, je pense, le choix des couleurs. En tout cas, Schmincke, c'est une excellente marque et elles ont vraiment le côté crémeux qui est pour elles. Et oui, les tubes, je préfère aussi parce que c'est plus économique, tout simplement. Mais si vous cherchez des couleurs vraiment crémeuses, toutes les couleurs qui sont à base de miel, dans le Guillan, comme Sennelier et Isarault, ça vous comblera parce que c'est des couleurs qui restent très très faciles à utiliser. Mon bleu d'un d'entraîne est quasiment jamais sec, tout comme la laque de Garance Rose, qui sont deux couleurs Sennelier. Et je peux les utiliser tout de suite dès que j'ouvre ma palette. Alors, je réfléchis maintenant si on a vraiment besoin de la gouache pour faire les lumières. Je pense que peut-être à certains endroits. Peut-être à certains endroits, oui. Alors pour la gouache, je vais utiliser un petit pinceau très fin. Qui est un petit peu plus rigide que les pinceaux aquarelles. C'est un pinceau que j'utilise pour la gouache. Ça me permet d'avoir un tout petit peu plus de précision. Alors, oui, tous les détails qui mettent en valeur les fraises, elles sont très importants, ces détails, mais ça vient aussi avec l'expérience, en fait. Parce que... Savoir où faire les détails et quand s'arrêter, c'est peut-être le plus compliqué à l'aquarelle. Et ça revient au commentaire de Marcel juste au-dessus. Il ne faut pas hésiter à parfois
prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, juste prendre du recul physiquement, le voir d'un peu plus loin, et ça permet de voir ce qui ne va pas dans la composition. Moi, j'ai la chance de filmer en même temps, et du coup, je vois vraiment l'image en petite vignette, et je vois plus facilement les problèmes de composition. Et ici, il y en a un. Je ne sais pas comment le gérer pour l'instant, donc il restera comme ça. Mais prendre du recul, c'est vraiment très important. Alors, je vais prendre mon blanc directement dans mon tube parce que j'ai pas envie de gâcher du blanc. J'ai pas envie de le mettre dans ma palette parce que c'est pas vraiment une couleur que j'utilise régulièrement. Et j'ai bien bien saturé la pointe de mon pinceau. Même si c'est une couleur opaque, ça a tendance à réactiver les pigments qui sont en dessous et donc à les faire revenir sur le devant. Donc j'essaye de vraiment très saturer mon pinceau et de quasiment pas utiliser d'eau dans mon pinceau. Et on va faire quelques brillances. Je ne veux pas en faire trop parce que je pense que ce serait une erreur. Mais il y a certains endroits qui en ont besoin. Voilà. Par ici aussi, peut-être un tout petit peu. Voilà. Et peut-être encore un tout petit peu par ici. Et je pense que ça suffit pour les brillances. Alors, je vais vous faire un zoom peut-être pour que vous voyez un petit peu plus où j'ai placé la gouache. J'aurais dû zoomer pendant que je le faisais, mais j'ai oublié. Donc, par ici, j'ai ajouté vraiment quelques traits. J'essaye d'avoir toujours un trait arrondi parce que les graines de fraises sont insérées dans la fraise en elle-même et du coup elles créent une petite bosse autour. Donc j'essaye d'avoir vraiment cet arrondi pour donner cette texture de fraise si particulière. Eh bien, je pense qu'on a fini avec ces fraises. Et je vais pouvoir les préparer pour les manger ce soir. Voilà. Je regarde encore une fois ma vignette sur mon écran pour voir si j'ai envie d'ajouter quelque chose. Il y a définitivement quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement par ici. Peut-être que ma fraise n'est pas assez arrondie. Mais je n'ai pas trop envie d'y toucher parce que je pense que ça fera pire que mieux. Ça n'est pas forcément très très dérangeant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis encore là pendant quelques instants avec vous. Je suis toujours ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Si vous n'avez pas en même temps que moi, n'hésitez pas à poster vos créations sur Instagram en me taguant avec le @ de papier et de rêve, comme ça je suis alertée quand vous les postez et je peux les voir plus facilement. Et j'aime surtout beaucoup commenter sous vos créations parce qu'il y a toujours des choses très très intéressantes. Et si vous ne voulez pas les partager sur Instagram, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé avec votre photo et je peux tout à fait commenter aussi vos créations sans aucun problème. Alors, pour vendredi, j'ai prévu une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude. Il me semble qu'elle fait dans les 35 minutes. Non, je vais pas dire le sujet tout de suite. Vous aurez la surprise, mais c'est peut-être une vidéo un peu difficile. Mais vous allez voir que je vais expliquer ce que je fais. Et je pense que ça va être très intéressant. Et on se retrouve de toute façon mardi prochain pour un nouveau direct, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ce direct vous a plu. C'était très intéressant de peindre des fraises. J'en ai souvent peint dans mes carnets de croquis très brièvement, sans prendre le temps. Et je trouve que j'aurais dû faire ça depuis très longtemps parce que c'est vraiment très sympa.
Et j'aime beaucoup cet ensemble de couleurs, je trouve que ça rend très bien. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Et s'il y a des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. J'essaye de répondre toujours à mes commentaires, même si des fois je prends un peu de temps. J'essaye toujours d'y répondre. On se retrouve donc vendredi pour une nouvelle vidéo qui va être très sympathique, comme d'habitude. Et mardi prochain pour un nouveau direct. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à bientôt.